Jouer avec un stick arcade qualitatif est un vieux rêve. Aujourd'hui, le Wingman Converter de Book rend ce rêve accessible au plus grand nombre sur Sega Saturn et Dreamcast. Pour ce test, nous allons utiliser le stick arcade que nous avions modé lors de précédents tutos sur la chaîne, le joystick pour la première partie et les boutons pour la deuxième. Je te mets les liens dans la description. Après une mise à jour des plus aisées du Wingman SD via le logiciel en suivant les instructions disponibles sur le site du fabricant, puis l'activation du mode arcade en appuyant simultanément sur les touches moins et A, il est temps de tester notre stick arcade. Le premier test se fera sur Sega Saturn, on se retrouve après la phase de gameplay. Round one, fight! <笑><笑>二度と俺の前に姿を見せるな、目障りだ。 Round 2, fight!
二度と俺の前に姿を見せるな。目障りだ。 Round 1 Fight! ハッ!二度と俺の前に姿を見せるな。目障りだ。 Round 2 Fight! Comme tu as pu le constater, les jeux répondent au doigt et à l'œil sur Sega Saturn. Et maintenant, passons au test sur Dreamcast. Rendez-vous en conclusion.
Maxi versus King. He's up. Battle one. Fight. This victory strengthens the soul of Maxi. You win. Mada mada da. Battle two. Fight. This victory strengthened the soul of Maxi. You win! Mada mada da. Maxi versus Inferno. Battle one, fight! Knockout! This victory strengthened the soul of Maxi. You win! Mada mada da. Battle 2, fight! This victory strengthens the soul of Maxi. You win! Pour conclure, en passant par le Wingman Converter au stick arcade, les inputs réagissent parfaitement, sans délai. L'adaptateur de Brook a été conçu pour réaliser un job, et il accomplit sa tâche à la perfection. Je n'ai donc aucune difficulté à te conseiller le Wingman, pour profiter de ton stick arcade moderne sur ta superbe Sega Saturn et ta sublime Dreamcast. Le Wingman est aussi compatible avec des manettes modernes telles que les manettes Xbox, Switch Pro et PlayStation. Le Wingman est aussi capable d'être utilisé pour conserver ses sauvegardes Dreamcast sur son PC. A l'instar du DCX8 que nous utilisions à l'époque pour transférer nos sauvegardes Dreamcast vers nos PC, qui n'a plus d'intérêt une fois le Wingman SD en notre possession. Merci d'avoir regardé ce test, j'espère qu'il t'a plu. C'était ATHGs, à bientôt pour la suite de nos aventures vidéoludiques.